Tata Léo, qu'est-ce que tu nous as inventé encore en pipeau? Tata Léo, qu'est-ce que tu nous as encore fait, espèce de mytho? Ouais, ça vaut quoi? Petite dédicace à Louis et Tijo. On se donne rendez-vous à 16h comme d'habitude pour le goûter. Saucisson, ça graisse. Hein, on fait comme ça. Vas-y. Ah, petite vidéo parce que nous étions en vocal. Que je vous explique. Eh, je remets tout en place, d'accord? Ça parle MCOC, ne vous inquiétez pas. Mais ce que j'ai entendu ce jour-là, ce que nous avons entendu, est extraordinaire. Léo, toujours Léo. Léo est accrochez-vous bien. Léo est certainement l'inventeur du yo-yo quantique. Oui, mesdames et messieurs. Oui. Oui. Léo aurait inventé le yo-yo quantique. Il se revendique, d'accord, comme le créateur de cette technique. Et c'est le premier à l'avoir utilisé. Voilà. Il n'avait pas encore donné ce nom-là à la base. Hein. Il avait appelé ça le Léo quantique. Voilà, parce que à but de sa personne. Voilà. Le Léo quantique. Donc voilà. Et j'ai un screen. Et vous allez voir comme quoi ce personnage, il est farfelu. Il est complètement taré. Je vous mettrai en description la vidéo sur Fantôme quand il l'a joué la première fois. D'accord? Avec justement de se dire l'invention du Léo quantique ou du yo-yo quantique. Et un screen où il répond à un abonné. Et ce qui répond à l'abonné, c'est lunaire. Après, à sa défense, parce que je le connais, il va dire quoi? Ah bah défense, personne ne l'a joué, j'ai joué dans les premiers. Mais en gros, le mec il lui dit, ouais, ça a l'air d'être cheaté et tout encore ça. Et après Léo lui dit, ouais non, pas ouf, hein. Ça a pas l'air d'être super polyvalent. Oh bordel de cul. Et en vocal, ce mec là était là en mode mais vous savez, j'ai arrêté de voir la vidéo sur Fantôme, je pense l'inventeur du Léo quantique, du yo-yo quantique. Hein. Ouais, j'étais le premier à le faire, hein, j'appelais pas ça comme ça, mais j'étais le premier. Voilà, c'était juste une toute petite parenthèse pas très longue, parce que moi m'a fait rire, et avec Tijo, bah franchement on s'est tapé une vraie barre parce qu'on s'est dit il a dit ça et en privé on s'est dit ouais, j'ai bien pas de dire qu'il a inventé le yo-yo quantique là, le Léo quantique. Non, mais c'est pas possible. Et on s'est tapé une barre et il fallait que je partage avec vous la communauté là, tous mes nouveaux là, tous mes copains là. Allez voir la vidéo. Allez voir, c'est Léo. Léo se revendique comme l'inventeur, le précurseur du yo-yo quantique avec Fantôme. Voilà. C'est mes petits dindons, mais je vous souhaite une bonne journée. Ah, je vous fais, toi, moi je vous ai pas fait une vidéo Halloween parce que. Bah, Halloween. Les vidéos 1er avril parce que. Avant même que je poste la vidéo un 1er avril, elle n'est pas crédible. Je me suis dit, mais moi, ça sert à rien que je fasse ça. Avant, mais parce que même si je mets un vrai titre ou autre, vous savez qu'on est le 1er avril. Vous savez que si je sors un truc le 1er avril, c'est couru d'avance que c'est pipo pipo. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, vas-y, laisse tomber cette année, je vous laisse tranquille. Et moi, je suis plutôt dans les vidéos genre de l'amour, tu vois ce que je veux dire, avec la Saint-Valentin ou pour Papa Noël. Je préfère tout ce moment-là. Voilà. Peut-être que pour pas que je vous fasse un truc. En tout cas, mes petits dindons, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, bah, n'oubliez pas, je vous mets la chaîne en description où je vous la mets. Parce que je sais pas faire. Ah si, je vais faire un copier-coller. Je vais vous la mettre dans les vraies descriptions. D'accord? Et le commentaire, par contre, lui, il sera calé au bon endroit. Pour que vous voyez que c'est juste ouf. Et dommage que je puisse pas enregistrer tous les vocales. Parce que c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je suis sur une nouvelle série là. J'essaie d'enregistrer un maximum quand c'est plaisant et que c'est un peu rigolo. Voilà, j'ai inventé. Pff, personne n'a inventé ça. Mais en gros, je filme quand on est tous avec nos caméras, tu vois. Et quand on est sur Discord avec nos discussions. Parce que des fois, ça vole pas très haut. Et des fois, il y a des discussions, mon gars. Des débats sur le jeu extraordinaire avec nos avis tranchés. Mais si on fait ça en vidéo YouTube, on se fait fumer par la communauté. Donc je me suis dit, quitte à se faire fumer ensemble, autant que tous mes copains se fassent fumer avec moi, tu vois. Donc tu vois, ça m'a fait sourire. J'ai dit, eh ma parole, je vais lancer la série. Est-ce que il y en a, ils se rappellent de. Comment ça s'appelle? Radio Bière Foot. Radio Bière Foot. La radio de la bière et du foot. Ben moi, je vais faire Radio Bière MCOC. Voilà. Et en gros, bah, tous les intervenants, il y en a, ça change. Des fois, on est 10, des fois, on est 3, 4. Et franchement,
il y a des bonnes choses à écouter, il y a du visuel, parce qu'il y a toutes nos sales gueules. Il y a même le très célèbre et néanmoins fantomatique maintenant, youtubeur Chris Krahuk, dit Chris, on ne rappelle plus du nom que je vais donner, la paupiette, non, c'est pas ça, on ne rappelle plus. Donc voilà, donc il y a des moments assez, c'est spectaculaire, c'est spectaculaire. Entre les moments où ça bug et ça donne des scènes plutôt sympathiques. Donc je vais vous partager ça, tous les moments de Discord. Les moments Discord, je vais vous les mettre en mode genre compile ou podcast, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais je vais vous caler ça et franchement, les extraits que je vais vous mettre, ça vaut le coup d'œil. Et ça s'écoute très très bien. Bon bah mes petits dindons, je vous laisse là. Voilà, c'était les petites annonces en même temps. Et puis n'oubliez pas, hein, Léo a créé le Léo Quantique. Le fameux Léo. Je vais dire Léo Quantique. C'est plus Yo-Yo Quantique. Vous enlevez. Maintenant ça s'appelle le Léo Quantique. Voilà. Un coup dans le roux, un coup tu tapes. Un coup dans le roux, un coup tu tapes. C'est le Léo Quantique. Bon mes petits dindons, je vous laisse là. Ça fait 5 minutes que je vous tire la jambe. 6 minutes, bordel, putain. Bah bonne nuit Flatos et puis bah je vous fais le montage assez rapidement. Je pense que là vous l'avez pour midi la vidéo. Hein. Vous en foutez de toute façon ce que vous la verrez à midi. Donc là je parle à moi-même en fait. Et c'est un peu flou de se parler à soi-même. Parce qu'en fait vous l'avez. On s'arrête. Bonne journée à vous tous. A plus. Bonne nuit. C'est la marque. Pas la marque de la bif. Ma fabrique. Marque.